Bergen. Tudom, hogy mert a bezőjében, és az a bezőjében, hogy egy kicsit a bezőjében, hogy a toujours 0-0.
Hawkins qui était sorti de la mêlée de la tête. Michel. Domenech. Rousteau. Il a été bloqué. Vandendam qui était intervenu. Oh, voilà. D'un côté du autre d'ailleurs. Domenech, Orlanducci pour Trésor. Le Trésor qui essaye de trouver le partenaire. Orlanducci, pris en chasse par Coles. Et Domenech pour. Pardon pour Michel. Domenech, nouveau Larquet. Sénéquet qui s'est intervenu. Trésor, Subrachi. Nouveau Brachi avec Coles. Lambert maintenant. Van der Rijken. De Rijen. Lambert. Ah, ils sont en train de geler le ballon. Coles. Avec Brachi, Coles. Et Lambert vient donner derrière pour Van Bing. Et Larquet. Rocheteau. Encore Larquet. Avec une chose. Coles s'est remis de partout sur le domaine. Avec Necker, sur Guido. Ça a encore été bien. À quelques secondes. Toujours 0-0. Michel. Marqué. Domenech. Et Leken. Coles. Coles de Rijen. Van der Rijken.
Anderlecht croisant avec une interception là de Coste qui joue en tant que défenseur et ça doit donner un coup de poing. Oui, effectivement, c'était Coste qui était en lutte avec Coste. Nous voyons ce temps. C'est Van der Rey. Cherchez d'ailleurs manifestement au bal. Voilà Van Gaal qui cherche. Le Ryan entre Van Gaal. C'est parti Van Gaal. Oui, c'est bien fait ça, avec Trésor maintenant devant lui. Ah, ça aussi c'est bien fait. Didier est parti. Et Van der Rijken, revenant pour Verheyen. Il y a moyen là. Verheyen toujours. Vers Lambert, c'était bien essayé. Lambert aussi bien essayé. Une sortie du gardien. Avec un petit accrochage douteux, mais. Je ne crois pas qu'il y avait de toute façon un pénalty sur la face. Vraiment pas, Denis. Voilà, il s'est pris le basket. Il est pour aller également. Avec Lekken, c'est le pas. Et il avait passé Cook. Évidemment. Oh non, une mésentente encore. Rochefort, hein. Maintenant, il y a Lekken qui a récupéré là. Dans la deuxième mi-temps. Toujours 0-0. Avec Bracci qui a fait les coups de coste. À nouveau Bracci. Et Guido qui a dévié. Non, non, il va y aller tout seul, ça c'est une erreur. Il y avait tout de même deux défenseurs là, prêts à intervenir devant Christian Pio. Domenech pour Trésor. Michel. Et c'est bien joué. Ça aussi d'ailleurs de la part de Cook. Larquet. Rocheteau. Elle est dangereuse. Vers Van Binst. Avec Raymond. Van Binst. Il n'y a personne qui nous a défendu pour réceptionner. Pour dire que c'était tout de même très puissant. Il y en a un peu trop puissant. Vous ne le voyez pas, mais il y a Raymond Goutal sur son banc. Il ne tient pas. C'est par Dox. Coupe Dox. Lambert aussi avec Domenech. Non, c'est trop court. Bon, la Nucci qui marche. Ouais, il faut vraiment suivre tout ça. Trésor. Michel. Avec Coste qui n'a pas pu intervenir. Van Binst qui met dehors.
Juste. Très bien bloqué encore. Guidou, Rachi. Michel Trésor. Avec le Verheyen Trésor. Donnant pour Kohls. Van Gaal, Kohls. Trésor avec Kohls. Non, avec Van Gaal, pardon. Et Orlando. Bonne interception de Verheyen. Verheyen avec Lambert. Lambert avec Domenech. Et Michel. Marqué. Guidou, Guidou Pacci. Et bon. Avec Van Beens qui recule pour permettre aux camarades de défense de se resserrer. Ce qui est arrivé d'ailleurs. Et on va le faire. Le spectacle, il faut sauver les meubles. Et assurer sa qualification, là, il n'y a rien à faire. Van der Rijken pour Dox. Dox, Christian Pio encore. Verheyen. Et Kohls. Orlanducci. Michel. Oh oui, c'était bien fait. Et ça aussi de Van Dendal. Van Gaal pour Verheyen et Dox. Van der Rijken, la balle est sortie. Rentrez pour l'équipe de France. Par Dominique. Avec ce même Bracci, et mon encore. Là, il est évident que maintenant ça devient un handicap pour l'équipe de France. De toute façon, on joue à 10 contre 11, c'est toujours terrible. Ça va faciliter la tâche de l'équipe belge. Guidou, Rocheteau qui a glissé là, Van Beens. Pour Kohls, Kohls en direction de Van Gaal. Van Gaal avec Orlanducci. Pour Baraté. Pour Trésor. Et Van Dendal avec Rocheteau. Pour Dox. Encore Dox. Van der Rijken. Vers Lambert. Lambert, Verheyen.
Van Beek. Cool. Cool, ça va être bon. Van Beek. De Rijen. Van de Rijken. On va vers Lambert, Lambert avec Trésor. Momentanément en tout cas, de pouvoir savoir si Lambert va rester au jeu ou bien si on va faire appel à Teguen. Il reste encore environ 18 minutes à jouer sans les arrêts de jeu, bien entendu. Toujours 0-0, Raymond avec Bracci. Trésor. Coste. Rocheteau. Avec Dox, Rocheteau. Orlagucci, qui enchaîne par Van Gaal. Coste. Et Dox, très calmement, son intervention. Van der Rijken. Brian, Brian qui enchaîne par Rocheteau. Van Gaal. Van der Rijken et Dox. Koulekens. Et encore Dox. On est en train de geler la balle. Et attention tout de même, parce que ce sont des choses qui peuvent coûter cher. Il y a une faute là, indiscutable, qui a été commis sur Ryan Tidou. Donc le juge de ligne, lui, s'en prend à Raymond Moutard. Il ne tient plus. Il ne parvient plus à rester sur son banc. Et Lambert. Très bien fait ça, vers Van der Rijken, comme ça aussi, vers Van Gaal. Bon, là c'est facile, il y avait une faute, mais tout juste à la limite du rectangle. De toute façon, ça donne un coup. Là, on ne se fait pas de cadeau de part de deux. Hein. Van Gaal. Encore environ 7 minutes. Hein. Van Gaal, il n'est pas bien donné. C'est Orlando Chi qui prend encore beaucoup plus mal. Ce qui signifie que ça panique autant d'un côté que de l'autre. C'est évident que l'équipe de France pourrait faire une bonne sortie de cette compétition. À l'occasion du dernier match de son entraîneur, Stéphane Kovac. Encore Van Gaal. Elle rentre bien, détournée là par Baratelli en direction de Rocheteau. Rocheteau est raté. Et une mauvaise passe à Van Gaal. La sifflée à hors-jeu. Pas du tout certain que Van Gaal se trouvait hors-jeu sur cette frappe. Pour la Ducci. Et Bracci. Donc l'équipe de France joue à 10. Orlando Ducci. Michel.
Interception de Van der Eyken. Domenech. Eken. Et Van Bins. Verheyen. Très calme, Verheyen. Oh, une mauvaise passe par contre vers Domenech. Encore Lekens qui était là. Van Bins. Calme le jeu. On en verse Cook. C'est un peu long peut-être. Et Cook est parti. Il est avec Trésor. Il ou mauvais contrôle de balle. Avec Van Bins. Oh non, c'est marqué. C'est pas meilleur ça qui donne sur Trésor. Michel. Et bien ouvert, Raymond. Bulls. Ici de Van Bins. Pour Lekens. Van den Dahl. Van der Eyken. Et Christian Piou. Il va le ballon. Et bien aussi que les. On parle pour Trésor. Ça, ça fait du temps. De gagner. Et Raymond avec Van Bins et un coup de poing pour l'équipe de France qui se défend admirablement à 10. Rocheteau. Encore Raymond qui tente sa chance. Oui, là. Je crois qu'il pouvait encore tirer 50 fois comme ça sans inquiéter le moins du monde de Christian Piou. Dégagement vers Cook. Pour Dox. Cook. Lekens.
triangle de Vertonghen. Van der Eyken, il y a une faute de... De Gale avec Orlanducci. Interception de Cook encore. Oudox. Et Van den Daal. Oud Leken. C'est bien fait de Leken. Scholes Zanbin. On balle vers De Gale avec Trésor. Et rentrée en touche pour l'équipe de France. Elle est faite par Trésor pour Michel. Et Mont. Guidou. Galis. Rachi. Et Mont. Toujours Raymond. Très bien contré par Kohls. Van Gaal qui part maintenant. Van Gaal de Gale. Son gauche. Et c'était bien joué. On s'est son gauchier. Ça avait très bien préparé. C'est pas mal fait aussi de la part de De Gale. C'était certainement pas tiré à la veuglette. Voyons cette phase de jeu là. Regardez, vous allez revoir ce contrôle de balle pour ramener au pied gauche. Et c'est un bon tir. Regardez, ça ne passe pas loin au-dessus. De toute façon, toujours 0-0. Avec Galis attaqué par Box. Et il y avait une faute de Dox de Gale. Domenech. Michel. Très bien bloqué aussi par Verheyen, Van Gaal. Sur le mollet. Ça doit faire mal. Ça n'a pas à dire. Alors que
Vindal devant l'avant, vers Van der Eyken, pour la Ducci, et bon. Ratchi, attaqué par Van Bin. Trésor. Michel. Pour Domenech. Bon. 3 minutes à jouer en principe. Sans les décomptes bien sûr. 3 minutes pour aller en quart de finale de la Coupe d'Europe des Nations. Et nous montons par Lekens. Lekens Van Gaal. En direction de Lekens. Ce contrôle de balle. Oh là, Domenech avec Teugel. Teugel, c'est rapide. C'est bien fait, Teugel, tout ça. Van der Eyken. Encore la sécurité, sans doute, bien sûr, vers Vandendal. Et oui, maintenant, sur les Belges qui gardent le contrôle de la balle. J'aime le ballon pour gagner des points. Kohls, Ratchi, Verheyen qui laisse sortir, c'est encore du temps de gagner. Nouvelle rentrée pour l'équipe belge, encore par Verheyen. Kohls qui a perdu ce ballon. Yadis. Avec Yémon. Yadis. Avec Yémon. C'est Guilou qui est parti là-bas. Donc balle pour Vandendal. Vandendal et Van Binst avec Yadis. Allant vers Kohls. Kohls avec Yémon. Michel. Rocheteau. Avec Lekens. On a l'impression qu'on a touché des deux côtés, mais disons que c'est plus spectaculaire de la part de l'équipe. Alors que Van Dendal, lui, est allé chercher gentiment le ballon près de Christian Pio, tout ça pour gagner du temps encore. Et ça va se terminer chez Pio, bien entendu. De Gaël s'amorti pour Van der Eyken. Interception de coupe. Ryan. C'est pas glorieux tout ça, mais disons que tactiquement ça tient ensemble. De toute façon, faire preuve de beaucoup de sang-froid, de beaucoup de maîtrise pour jouer comme cela. Coup, lance très bien avec Teugel. En direction de Kohls, c'est un peu trop tendu. Oui. Baratelli avec Kohls. Il ne peut pas l'empêcher de dégager, mais il peut le gêner. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. M. Baratelli n'a pas pu très bien dégager. Bracci avec Van Bins, encore en slide exact. Vous dites que le terrain s'y prête admirablement. Terrain gras, mouillé, pour les glissades. Et M. Davidson qui est